attendons que vous avez la première fois avec ce plan d'espoir qui a été caché dans ce page de la Bible. Nous savons tous que nous vivons à un temps
le lien pour l'Église. Vous voyez, tout simplement, ce que nous avons vu par la parole de la Dieu pour l'Église, là. La crainte pour l'Église, pour l'inquiétude. Car c'est pas le moment où la somme pour la personne est tombée. Nous y sommes l'un des temps les plus dangereux. Vous avez compris qu'à quoi on a parlé, vous avez le karma pour l'État. Il y a un peu pour l'État. Tout ce qui a existé depuis le commencement du monde. Non, c'est ça, à part le temps pour le sacrement privé. Aucun prophète, aucun apôtre. À part le sacrement de mon côté, à part de mon côté. À aucun endroit qui n'a jamais vécu un temps comme celui dans lequel. Attendez, mais de mon côté, à sa boucle, car mon nom de la quatrième année, vous avez une boucle. C'est tout qui est dans les cieux, c'est tout qui est sur la terre. Car moi, vous m'avez la loi, là, vous m'avez la loi, là, c'est tout qui est partout. Mais comment vous n'êtes pas juste? L'État est arrivé à la fin. Car moi, je vous ai la cible. Pour toutes les nations, pour la parole de la nation, l'État est à la fin. Nous devons saluer les écritures pour voir le caractère de vivant. Je sais même que nous avons la place de la vie pour la vie, pour la place de la vie, pour celle de l'État. Nous sommes arrivés à la fin de Bonnivacica. Et nous sommes dans ce message par la grâce de Saint Joseph. Car la vie de 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 la vie. Le prophète de Dieu dit, nous savons dans sa parole, ma prière est celle-ci. Nous devons venir la part des salons pour le Dieu. Oh Dieu, oh Zabé. Je disais simplement cela à l'Église, parce qu'à la fin de nous demander de venir le Sabé. Si c'est ainsi, cela prépare la gloire. Ce qui est des amis pour le Dieu, nous ne savons pas venir à nous faire la gloire. Prépare-nous, Seigneur. Mais il y a un peu de disparition pour nous. Pour cette grande part, et qu'il y a toute l'histoire du temps, que les prophètes et les sages ont attendu. Nous attendons la prophète à garder de tous les deux, c'est pas sa volonté, c'est pour mettre la boîte à la fin de tout cela. C'est mon mari, parle-moi-lui, tous les sages, tous les prophètes. Parce que la bonne nuit, c'est la sable de Dieu, et le temps de s'attendre, c'est jour. Dans la vie de cela, vous pouvez mourir. Ils ont vu ça de loin, dans mon appui à mon apostille. Ils espéraient être là pour voir ce que nous voyons. Dans mon pensant, dans l'étonnement que dans sa loi, la foule à Pomona, la revue, c'est que ça ne peut pas. Mais ils n'ont pas eu la chance de voir ça. Car si dans mon appui, quand je vois la Pomona, la revue, quelle grâce pour nous, parce que nous sommes unis pour la mission de ce que les autres ont espéré. Maintenant, on va suivre la vie, car tout la vie, car tout ce que les autres attendent. Et on va suivre la salade qui fait cela. Nous, aujourd'hui, nous recevons ça. Nous sommes les autres qui venons de cela. Dans le 7e jour, c'est dans la vie, par la guerre de la foi. Dans la vie, on est venu à ça, on est venu à tout le monde, on est venu à ça, pour que vous avez dit. Père Céleste, voilà mes grâces noires. Papa, il voulait faire la porte pour nous venir. Une grande part ou une grande chose est arrivée. Nous m'avons mis de l'autre, nous avons beaucoup de l'autre, mais il s'en a dit. C'est au retour des gens. Il s'en a dit, c'est la zone à la vente. Et bien, je prie que ce soir, et papa, à sa vie, comment il est, il n'a pas beaucoup de l'autre. Ça soit divulgué. Il y a l'eau et sa collaboration dans Zana. Sa membre de l'Ukraine, pour Zana et l'Ukraine, que cela soit divulgué, soit connu dans le cœur et la pensée des gens. Il y a l'eau et sa collaboration dans la réalité de la paix dans laquelle il s'est attaqué. Et qu'il sache que Dieu est toujours sur les trônes et qu'il aime toujours son nom. Par la parole de Zana, il n'y a pas de ce que Dieu a dit pour la reconnaissance, mais il n'y a pas de ce que Dieu. Et comme il est là, c'est toi que le monde a désiré par de la voix. Nous n'avons pas le mot de Dieu. Parce que là, tu vas constater que si à tout le monde est en train d'approcher maintenant, les amis, pour que ça va se calmer.
car ce monde réclame sa rédemption. Sa vie continue et sa vie est aussi derrière nous. Nous pouvons voir que les célébrations, la compagnie de la mairie, nous allons voir que la compagnie, c'est de l'année à la fin de ce qui s'est arrivé derrière nous. Nous pouvons voir que les célébrations, la compagnie de l'église dans la présence de Christ. Nous allons voir que la compagnie, c'est de l'année à la fin de ce qui s'est arrivé derrière nous. Nous allons voir nous vivons à ce temps-là. Nous savons que tout le monde est nous vivons à plein au temps de la femme. Nous savons que nous avons dit qu'à quatre la femme est la soupe. À un temps que les hommes de Dieu ont attendu. Quand nous avons la femme est passée la vie. Et à l'essentiel, sa voix, sa et nous voilà, nous sommes là. Mais quand nous avons dit que ça, la femme est restée dans la mission de Dieu. Quelle grâce pour nous de voir ça. Nous l'humilité de la mission de Dieu dans la vie. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ces hommes-là, dans les temps passés? Et là, comme il va prendre la table, on a parlé de la vie. Septième jour, c'était rester un mystère, un secret. Et les mots à sa beauté, qui a dit du bon dans le secret. Dieu a gardé ça secret. Jamais à tout le monde qui a le secret. C'est pourquoi nous lisons le septième jour. Notre vrai que tant que les mots à sa beauté, un silence a duré de venir. Il n'y a que ça à la vie, quand il a fait un bâton dans le monde. On ne dit pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Dans sa vie, qu'on a fait retenir le salaire de la casse. Pourquoi on ne dit rien? Dans la vie, dans sa vie, qu'on est de l'autre côté. Pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'en ce temps-là, il n'y ait rien qui soit connu? On a mis les gens dans le monde qui est dans le monde et l'autre qui est dans le monde qui est là. Dans le septième saut, quand il est venu à sa mort, on montre que le septième saut était un histoire complet. Mais que quand on a fallu qu'on fasse que les voisins, vous savez, ils tombent d'ailleurs, ça lui est tombé. Un secret absolu. Et ça lui fait exemple, et l'autre est tombé dans le passé. On est noir, il ne devait rien savoir. Et il est passé dans le cas qui devait passer. Jusqu'à un temps donné. Qui nous attend le mot pour être sauvé la vie d'un autre. Ça devait rester un secret. Il y a un secret petit à la vie d'un autre. Dans le septième saut, il dit, quand il est venu à sa mort, il dit, par la grâce de Dieu, et que la communauté de l'État, il dit d'abord que la pensée humaine ne peut pas pénétrer ces choses. Il a fallu qu'on mette le mot, car ici, il y a des mots de l'autre côté, pour tout à l'heure, il y a des mots de l'autre. On n'était pas de l'écoutité. Aucun homme ne peut comprendre ces choses par lui-même. À part que vous comprenez, à tout ce que c'est dans le monde, il est le Seigneur nous a fait prendre les écritures. Comment comprenez que tout le monde a tenu les saints des écritures? Dans le monde, nous sommes ceux que Jésus avait dit qu'il avait fait. Oh, il y a seulement quelque chose à la main. Et comment aurions-nous pu découvrir cela? Et mon ami, il ne peut pas tout tenir dans la main. Ici, il vient de révéler. Alors, à l'air que mon histoire, il a porté très précisément. Il a porté la totale sa main pour mener. Son serment, là, quand il a répondu, il était à la main de la table, il a mon ami. Dans Matthieu chapitre 24, on a failli au capotier de la vie. Il a parlé de six sauts. Alors, quand il a dit à lui, il est total. Dans Matthieu 24, quand il a failli au capotier de la vie. Et remarquez, de mon talent. Mais, il a omis le septième. Parce qu'il a tout à fait aimé de la salle. Il n'a rien dit. Concernant le septième. Alors, pas que l'autre, mon côté, n'a pas été le bruit à sa vie. Ensuite, quand les sauts ont été ouverts, là, si notre âme dit le bruit, moi, pas qui? Si nous allons dans le sixième saut, ce qui peut tenir, quand il y a le bruit à sa vie, il y a des combats. Quand il y a dans le comparé, le Matthieu 24, avec les sept sauts qui devaient s'ouvrir. Dans le bête de la Nazareth, on ne peut pas être ça. Dans le bête de la vie, le nom de Dieu, ça doit être le bête de la vie. Dans le sixième saut, le bon appareil de l'Église, le tout bas. On avait comparé Matthieu 24 avec Apocalypse 6. Le bête de la vie, le bête de la vie, le bête de la vie, le tout bas. Dans la page 416, 416. Il y a un peu de temps. Maintenant, je voudrais vous dire remarquer, si tu as la vignette de temps,
aussi je te demande parti dans la lutte de la copie, à Galilée, à Paris, à Paris, sur le septième, dans la communauté dans le milieu de la santé. Jésus a omis l'enseignement du septième saut. Jésus a tout à tout au débat, à voir à tout au débat, à la possibilité de l'île de la santé. Il ne se trouve pas ici, il y a un autre à l'heure. Il enchaîne tout de suite avec des paraboles. Il y a un autre à l'heure, il n'y a pas cesser. Et Jean a donné le septième saut. Et Yohane a tout à tout et le bois sable. Le dernier et la soupe, le septième, la sable. Ce sera quelque chose de glorieux. Et pour ça, la loi que vous pouvez entendre. C'est pourquoi ce n'est même pas écrit. Yohane a été dans l'écoute. Il a omis le septième saut. Il a déjà tout à fait et le bois sable. Les deux l'ont fait. Par l'homme, il parlait à Sarah qui tombe au bas, tout à fait le bois sable. Jésus et Jean, Yesu et Yohan. Dieu, le révélateur, est le roi ici. Dieu a seulement dit qu'il y a un silence dans le ciel. C'est tout. Zambé, par le bas, qui n'a pas posé la qui va aller au bas, parce qu'il y a un Jésus, lui, n'en a pas parlé. Merci beaucoup, le bâtiment a pris la maladie. Et le prophète de Dieu, et vous avez un exemple, là vous prenez Matthieu 24, dans le prophète de la paix, tout le monde a animé. Vous allez voir, il arrive vers le sixième saut, vous comprenez qu'il a compris le monde de Thomas. Matthieu 24, après le vase, aussitôt, après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera pas sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissants des yeux seront éloignés. Et maintenant, quand je l'entre dans les septièmes sauts, si tu as encore un peu plus de l'île de la Sambo, tu vas l'amener et tu vas l'amener dans l'église. Il n'est qu'il parle, il ne montre pas ce qui va arriver. Mais à la difficulté de l'île de Salomon, il ne garde pas que les silences. À ce qui a été mis à l'église, il entre dans la parabole. Alors, il va l'amener dans l'église, il va l'amener dans l'église. Et cette parabole, c'est quoi? Et c'est ça, vous avez dit. Instruisez-vous par le contact et sont tirés de figuier. Pour la coralité, la conduite à l'anxiété dans le souper. Dès que ces branches deviennent tendres, la radicalité dans l'autre est pour les bras. Dès que la feuille pousse, le cassard est pour les bras. Vous savez que le cœur est proche. Dès que le cadre de l'eau est cassé et de l'aide. De même, quand vous verrez que c'est chaud, c'est la mort pour voir avec le monde à la famille, bien sûr, sachez que le fils de l'homme est proche à la porte. Vous voyez, par exemple, moi, dans la beauté, à quel ami, à écouter, il parle maintenant de la venue du fils de l'homme à sa visiteur pour voir avec le monde à moi dans la beauté, parce que la question était de savoir quand est-ce qu'il n'y aura pas.
Mais il y a quelque chose dont
qu'ils font parler, là, c'est ça la marque de Messie, c'est dans le bilan de la vie. Ça, c'est très, très important. Là, quand on est dans le bilan, il y a une gloire de parler de Dieu. Et moi, je crois que tu connais l'historité. Il doit regarder sa série à sa série de mon parler de Dieu. Parce que si il te voit ça, moi, t'es sûr qu'il a supposé un peu. Car quelqu'un s'est mis à te prendre des dispositions. Pour te prendre ton poids, car la marque de Dieu, c'est une gloire. Pour te prier, il faut la côté du sang. Alors, il parle de certaines choses. Il y a des choses qui me disent, à ta fille, ça. Quand j'ai dit que mon enfant, quand j'ai dit que c'est la vie de ma mère, quand j'ai dit que c'est la vie de ma mère, tu as des choses très, très importantes. Ça va passer à ma mère, et tu vas me dire, tu ne dois pas, et tu ne dois pas revenir aux gens à un temps donné. Pour la série de ça, la part de Dieu, pour les enfants, la part de la mère, quand j'ai dit que c'est la vie de ma mère, s'il voit des événements, il ne reviendra pas à tout le monde. Tu as pas sauté le livre, pour les enfants, pour les enfants, pour les enfants, pour les il y a des personnes très importantes, certaines personnes qui ne peuvent pas entendre la vie. Ça va être aussi sur ça, mais tu n'as pas de mal à mettre du tout. Alors c'est pourquoi, et nous, on a fait un éditeur, et nous, on a fait un éditeur, c'est bien simple, parfait, et nous, on a fait un éditeur, c'est bien simple, c'est bien simple. Dans les livres de septième soleil, dans le cinéma, un silence, dans le monde de Dieu. Alors, on a fait un éditeur, c'est bien simple, c'est bien simple, c'est bien simple, c'est bien simple. Je ne dis rien là-dessus. Avec un autre de mon thème, on a un peu. C'est un secret absolu. La vérité, ça fait des années, mais quand même, on va nous battre à fuir ça. Verset 54, c'est un secret. Il connaît tout ça de la santé. On a dit, on a parlé du chapitre 8 de la 25 à la 77e saut. On a dit, on a des années de temps, c'est le cas de la salle de l'église. Alors que rien d'autre que ma révélé là. Je ne t'en ai pas de la démolition de la place. Ce n'est pas révélé dans les 7e saut. Ça veut dire qu'il y a une révélation de la révélation du 7e saut, mais même tout ça, absolument aucun saut. La révélation de 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 la Et c'est
de servir le pouvoir à l'élément et à sa mère à la maison. Et de la part de la police de la loi, l'ouverture de ces sous au pouvoir à l'élément et à sa mère, c'est quelque chose de tellement important. Et voilà que la demande est montée à l'édicule que le ciel a été plongé dans le silence. Et maintenant, la réponse est qu'il y a un vrai qu'il y a. Donc, ça va nous montrer que ce silence-là, cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Non, et c'est là que la sortie est plus grande à l'unité de la terre de l'autre vérité. Il y a quelque chose qui s'est passé dans mon âme. Et là, tout le monde est en train de dire qu'il y a fait que l'espace de la sécurité et qu'il les garde à bouger en voyant passer par le passé. C'est là que tu vas passer la planète qui tu viens. Parce que nous, on peut faire avec le bruit, on peut faire avec tout ça. La pièce qui a été projetée dans le silence de l'avenir de Dieu. Non, 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 il y a fait que l'on a fait passer quelque chose d'important. Et ça n'est là que vous avez oublié. Il n'y a pas de temps pour le temps de
Mais dans le secret qui repose dans la discussion, c'est que les enfants des amis de l'Europe dont vous pouvez voir que c'est un secret absolu. Vous pouvez vous demander de vous répéter ce qu'il est dans votre impact. Un secret, c'est que les gens qui nous disent que nous allons dans la Genèse, nous pouvons voir par le titre de ce mystère. La Genèse, c'est le chapitre de la Genèse, c'est le chapitre de la Genèse, c'est le chapitre de la Genèse. Il y a des gens qui vont y aller. C'est ça que nous avons dit, la piste des mystères de Dieu révélé. La Genèse, c'est la piste, 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 vous n'avez rien compris. Ça veut dire que la loi que nous avons sauvé l'extérieur, que nous sommes sur la paix de côté. Et il est très important que vous puissiez comprendre certains détails qu'il joue. C'est que ça va vous dire avant que vous vous sur la radio finale, parce que vous dites que tu as. Et il faut le 7e sens sur la télévision, le 7e sens sur le mais c'est quoi? Vous ne savez pas ça, bien sûr. Et je dis qu'à ce moment-là, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous devez comprendre ça. Vous savez que vous êtes sur la radio. Vous devez savoir qu'est-ce que c'est. Vous savez que vous avez dit 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 que vous avez
parce que Dieu avait quelque chose dans la pensée. Moi, je ne sais pas si tu m'avais commencé à la qualité d'ailleurs. Il garde le secret. Oui, on n'a pas perdu ce délai. Et c'est pourquoi, quand le septième saut, il va, il n'a pas attendu le restant de toi, il va te briser. Et vous, quand il dit, on n'a rien dit, par le bien, notre bon côté va garder. Parce que Dieu cache quelque chose de pratique. Moi, je ne sais pas la bonne passion de ce bon côté. Parce que Dieu ne voulait pas que ça te change la foi pour nous déjà. Moi, je ne sais pas, il a dit que c'est là pour un appart. Thank you.
Pour les filles, c'est là, pour les filles, c'est là,
sacre tipo che si trova dalla piccola fiorina di papo da vaca mosaica di cattività. Tu la sacre che tu allanta alla Bibbia il faraglioso della divinità di cattività. Anche a te che tu te sarà di vita di felice. Ute si maro di nemendi che sa maro di nemendi che mi sa sprime se che mi sono tutti che io stanno pensando sarà di contabilità di tutto come non stanno sarà di tutto io grossa che è che ci è che non è che è a fatto di fatti no se che è di università che mi sono la scusa la mia 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 Yeah.
Thank you.
Thank you.
vous avez vu la vérité, son autorité, que vous voyez, son cachet, il est le moyen à ce qui est présent, mais il y a un salut pour ta salut, car c'est un état de la vérité, et ça, c'est un état de la et pas simplement ça, mais même sa propre excellence, et que la vérité, il est là, car il est bon à la Je suis dans la tête de la personne.
souvent tenu la parole de l'enfant et lui, à la même église, je vois lui attendant à paradis par parents. Les enfants étaient morts par la coupe à guérir et par la vie de prospérité à paradis jusqu'à la totalité. Il ne comprenait pas à paradis de prospérité. Il était à mourir comme ça, donc à tout monde était beaucoup plus doué. Il est en même temps de prospérité. Il n'a pas de tout à mon petit père. Il n'a pas de pays à vivre. Il n'a pas de tout à la carte de prospérité. D'abord, à rester à l'élève et dans un mal à soi qui est dans le fait de pouvoir donner à qui d'aller de prospérité. Il n'a pas de tout à mon petit père. Il n'a eu de la passée sans parler. Yes,
Thank you.
sabe que Cristo é Deus que deve ser a base do nosso trabalho na terra do mundo. Se isso é bastante, só que a nossa vida é uma coisa que se pode fazer na vida dele. Então, se você quer fazer isso, você vai morrer. Você vai morrer, 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 você Thank you.
allô, la maman de l'enfant nourrissant son enfant dans la maison des parents. La mère va la prendre à la couronne de sa mère, qu'elle va la prendre à certains grands mystères complètes. Pour ça, la télé compagnie va plus tard. On ne savait pas, on avait évacué. Quand tu ne pourrais pas tout faire, on va pouvoir faire sur la terre. Et dans ce silence, on va plus la libérer. Dans ce mystère, on va plus la compagnie va garder. Et maman, c'est le temps, c'est papa. Maman, moutouan en est tata. Ah, ce n'est pas papa. Azali tata, ce n'est pas papa, c'est un égyptien. Azali moutouan égypto. Il y avait la maman qui révélait les mystères. Et Zalaki, maman, Zalaki, comment il s'en a bombé. Dans un secret absolu. Pharaon ne connaissait rien. Et en Moïse. Il grandissait. À Zalaki, Coca-Cola. Il a appris l'égyptien, il a appris l'arabe. Il a appris tout ce qu'il pouvait faire. Mais plus tard, de ces mystères-là, sortit le libérateur des enfants d'Israël. Il fallait que ça soit un secret qui devait être révélé plus tard. Plus tard, et de ces secrets sortit quelque chose de glorieux. Nous pouvons parler de Rab. Je le répète pour que vous puissiez bien voir là où il y a un secret, il y a quelque chose de glorieux qui sort là. Et il faut le secret pour que les gens qui sont à côté ne sachent pas ce que Dieu est en train de faire. Parce que quand vous révélez la chose, c'est fini, c'est terminé. Si Marie, Jochebed n'avait pas caché l'enfant, il allait mourir. Il fallait sceller, gâcher les secrets. Nous pouvons parler des Rahab. Et voir dans Josué au chapitre 2. Comment la Bible nous dit? Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions. Atinda ki utana sitim banongi mi balé. Ils sont partis dans le secret. Bakende ki penza katina kobombama. Dans le secret, c'est dans un silence. Hein, ils sont entrés à Jéricho. Dans le silence. En secret. Personne ne savait ce qui était en train de se passer. Mais pendant qu'ils entraient, il n'y avait personne qui les savait. Verset 4. La femme plus le deux hommes et les cacha. Moi si akamata ki bato mi balé pa bomba ki bango. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi. Mo kondina Jéricho atina ki bayi sa Rahab te bimisa mi bali o bakoti e pa ina yo. Qui sont entrés dans ta maison? O bakoti na ndako na yo. Nous avons vu quelques gens là drôles. Biso to moni bato moko to yebi bango malamu te. Le diable a senti un peu l'odeur. Satan ayo kaki moi solo. Il vient là, bon, je vois qu'il y a quelque chose ici. Aya lo bina monete lo komoko ezali awa. La femme prit les deux hommes et les cacha.
Parce que c'était des hommes très importants. Elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi. Mais je ne sais pas d'où ils étaient. Et peut-être ils sont déjà partis. Hein, elle les avait fait monter sur le toit. Les avait cachés sous les tiges de lin. Qu'elle avait arrangé sur le toit. Et elle avait caché ce mystère. Parce que ces espions apportaient le salut et le jugement sur Jéricho. C'était des messagers qui apportaient les jugements. Et après cela, verset 11, Rabba va dire, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est le Dieu en haut et le Dieu en bas sur la terre. Une femme païenne qui a eu la révélation que le Dieu d'Israël c'est un véritable Dieu. Votre Dieu à vous c'est le Dieu véritable. C'est pourquoi j'ai vu dans votre venue mon salut. Vous venez pour juger cette nation. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Bola pandai na komo na yawete pokoza na boboto na ndako na tata na ngai na pela moko na za boboto na bino. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. Bope sangai likete bogotika tata na ngai mama na ngaba ndeko na ngai pa basi kobika. Et tous ceux qui leur appartiennent. Pe nyonso yo ezali ya bango. Et que vous nous sauverez de la mort. Pe bokobika za biso uta na kufa. Le troisième épaule. Et tenia misato mosala. Attira te qui réclame le salut de ses enfants. Abraham qui réclame le salut de Lot. C'était le dernier ministère. Quand Dieu est descendu vers Abraham, Abraham a réclamé le salut de Lot. Ici, Rahab réclame le salut d'elle-même et de sa famille. Pour vous montrer que quand ce septième sceau sera ouvert ici au temps de la fin, quand vous comprendrez ce que c'est, vous verrez cette venue du Seigneur, vous comprendrez que c'est le moment de réclamer votre salut et le salut des membres de votre famille, parce que c'est le moment de jugement. Tout ça ce sont des types. Écoutez maintenant le verset 14. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Ton salut, c'est de garder ce qui se passe en secret. Ne divulgue pas. La chose qui est en train de se passer, toi n'en parles pas. Jusqu'à ce que la chose se termine. C'était un silence total. Mais pendant la chose, il y avait une femme qui connaissait ce qui était en train de se passer. Jean connaissait le mystère. Il a entendu le sept tonnerre. Il voulait écrire pour divulguer le secret. Mais l'ange lui dit, ne divulgue pas.
pas maintenant. Si kawate, n'en parle pas. Kolobana tina na yango te. Si tu en parles, c'est fini. Soki olobina tina na yango esili. Rahab, Rahab. Si tu divulgues les secrets, soki opandi sekele, c'est fini. Esili. Tout notre plan est anéanti. Mwango na biso nyoso ekosila nye. Le mystère résidait dans le fait de garder les secrets. La vie de Rahab dépendait de ces secrets-là. Pendant ce moment-là. Et enfin, verset 20, si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait. Et il répondit qu'il en soit selon vos paroles. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil cramoisis. L'évidence que toi tu nous as reçue dans cette maison. Et regardez, c'était un secret. Et c'est ça le mystère qui a sauvé Rahab. Elle a mis le fil rouge. Quelque chose était en train de se faire. Les gens de la ville n'en savaient rien. Mais Rahab voyait quelque chose qui était en train de se faire. Et elle devait garder sa secret jusqu'à l'accomplissement. Et au chapitre 6, quand maintenant Josué est entré à Jéricho, tango Josué a kotaki na Jéricho, nous voyons que Jéricho était fermé et barricadé. Tomonete Jéricho et kangama ki ezalaki penza na bipekiselo. Scellé complètement. Et kangama ki mobimba. Scellé complètement. Et kangami mobimba. On ne pouvait pas entrer. Mota kokai kokota te. Mais kasi. Dieu dit à Josué. Zamba lobi na Josué. Pour la révélation de ces grands mystères. Bona emoni seliali bomba. Ce qui était le silence il y a quelques années, ce qui était un mystère pendant tout ce temps, les mystères des Rahab qui étaient à l'intérieur de Jéricho, les mystères de posséder cet héritage, parce que Jéricho était une possession pour Israël, les mystères de tout ça qui n'était pas connu. Un de ces jours, vous allez tourner la ville pendant 7 jours. Vous allez tourner autour de la ville. Et mais le 7e jour. Josué avait donné 7 ordres au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Il ne sortira point de votre bouche un mot jusqu'au jour où je vous dirai, poussez maintenant des cris. Ils ont fait le tour de la ville dans un silence complet. Ils ont fait les premiers jours. Ils ont fait simplement le tour de la ville. Et ils ont fait le deuxième jour. Ils ne criaient pas. Ils ne parlaient pas. Les premiers jours, les deuxièmes jours, les troisièmes jours, les quatrièmes jours, cinquième, sixième. Et le 7e jour. Les derniers jours. Ces mystères qui était caché pendant tout ce temps. Et tous les murs qui étaient là sont complètement tombés. C'était le 7e jour que tous les murs, tous les sceaux étaient complètement brisés et qu'on pouvait voir à l'intérieur. Et
les fils rouges de Rahab. On pouvait voir à l'intérieur Rahab qui était caché à l'intérieur. Et je vais vous lire ça demain ou après-demain ou le dimanche pour vous montrer, frère Branham, qui dit que Jéricho, ce pays-là, l'entrée dans le pays, c'était posséder notre héritage. C'était l'ouverture des sceaux. C'était l'ouverture de la parole. Et avant d'entrer, Josué se tenait là. Il a vu un ange descendre. Un ange puissant. Avec l'épée dans la main. Et l'ange lui a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Maintenant, entrez et possédez le pays. Tout ce qui était caché à l'intérieur était maintenant dévoilé. Et tout ça, si Rahab n'avait pas caché ces gens. Et Rahab, qu'est-ce qu'elle est devenue plus tard? Ces secrets-là ont amené à devenir une juive. Elle s'est mariée à Salmon. Salmon qui était un homme de Bethléem. Bethléem. Et je crois que si vous lisez, je crois dans Matthieu 1, on va nous parler aussi. Non, ici, je crois que ce n'est pas. C'est Frère Branham qui en parle. Qui parle dans qui est. Pourquoi la petite Bethléem? Comment Rahab s'est marié à Salmon. Salmon. Et plus tard, elle est entrée même dans la lignée de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans Jean, dans Josué 6, 17. Verset 15, le septième jour. Il s'est vers des bons matins dès l'aurore. Ils firent de la même manière sept fois le tour de la ville. Sept fois le septième jour. Et nous voyons que quand le septième soit ouvert, les sept tonnerres sont en train de gronder. C'est même l'ouverture de tous les sceaux. À la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit maintenant au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Maintenant c'est la possession. Criez maintenant, c'est le jour de votre rédemption. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Pourquoi? Parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Le salut de Rahab, c'est parce qu'elle a scellé un mystère. Mais maintenant elle ne pouvait plus cacher ça. Maintenant ça devait être connu pour vous montrer ce que c'est que le mystère de Dieu, que Dieu avait quelque chose dans tout ce qu'il est en train de faire là. La
pensée de Dieu était dans Rahab. Pour pouvoir cacher le messager. Et pour son salut. Son nom était écrit dans les livres de vie de l'agneau. C'est pourquoi la pensée de Dieu était en elle. Elle a gardé le secret. Et au travers de ce secret, elle a eu le salut. Nous pouvons encore voir Ruth. Je répète toutes ces choses. Au chapitre 3 du livre de Ruth. Comment le secret. Du secret sort la délivrance. Du secret sort la meilleure chose. Lave-toi, oins-toi, puis remets tes habits. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Verset 7. Elle descendit à l'air et fit tout ce que lui avait ordonné la belle-mère. Ici, vous pouvez voir comment Ruth et Naomi, la femme des nations et la femme juive, elles sont ensemble à la même période, au même moment. Elle rentre dans leur héritage au même moment. Au même moment où Branham recevait l'ange. Pour aller dans le monde entier prêcher. C'est au même moment aussi que Israël est devenu une nation. Au même moment. Pendant que Israël rentre dans son pays. Son pays naturel. L'épouse aussi rentre à ses pères. Nous aussi nous rentrons à la foi de nos pères. Nous rentrons à l'original. Et Ruth et Naomi se retrouvent au même moment. Et c'est Naomi qui a révélé à Ruth le temps où elle devait aller rencontrer Boaz. Elle devait vous entendre ça de Naomi. Ruth elle-même ne pouvait rien savoir. Mais elle a connu le temps parce que Naomi lui en a parlé. Quand vous verrez le figuier reverdi, porté encore des fruits, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Quand quelqu'un est à la porte, ça veut dire qu'il est là. C'est-à-dire que maintenant il est en train de toquer à la porte. Sachez qu'il est là. Et Ruth a compris que Boaz est maintenant dans les champs. Elle est descendue à l'air. Et Boaz, mangea et bu. Son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement. Découvrit ses pieds. Non, pas à la tête, mais aux pieds. Il est allé aux pieds là. Pour montrer l'humilité. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Qui es-tu? Je suis Ruth ta servante. Étends ton aile parce que tu as les droits de rachat. Ruth réclamait le rachat. Ruth réclamait le mariage. Ruth réclamait qu'elle soit prise en mariage par Boaz. Ruth réclamait sa rédemption. Ruth réclamait qu'elle soit
qu'elle rentre à ce qu'elle était, une femme mariée. Luta, azalaki ko sengeta songa na oya azalaki mwasi ali bala. Au milieu de la nuit. Katikati na butu. Voici l'époux. Tala mobali na libala. Allez à sa rencontre. Kende kokuta na naye. Pour faire quoi? Pona kosala nini? Pour réclamer. Pona kosenga. Voici l'époux. Tala mobali na libala. Ce n'est pas pour aller à l'enlèvement. Ezalite pona okena konesa. Ce n'est pas pour sauter aller en l'air. Ezalite pona ko pumbuka okena mi pete. Voici l'époux. Tala mobali na libala. Allez à sa rencontre. Kende kokuta na naye. Pour réclamer. Pona kosenga. Ma rédemption. Ici konangai. Réclamer mon héritage. Kosenga libula nangai. Réclamer mon adoption. Kosenga bokonti nangai ya mwana. Réclamer le mariage. Kosenga libala. Voici l'époux. Tala mobali na libala. Allez à sa rencontre. Kende kokuta na naye. Pour le mariage. Pona libala. Pour la rédemption. Pona lisiko. Et c'est ce qu'elle est allée faire. Yangonda kendeki kosala. Et regardez. Pebotala. Quand elle est, il a dit passe la nuit ici. Nanga lobaki na elala awa. Au verset 14. Etena somi na mine. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Atikala ki alain na makolo na ekino na tongo. Elle s'éleva avant qu'on puisse reconnaître l'un et l'autre. Atelema ki na no moto ayebanite. Boaz dit. Boaz lobaki ete. Qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Baye batete moi si moko ayaki on est tout elo. Que ça soit un secret. Eza la sekele. Que ça soit un secret, que personne ne le sache. Eza la sekele moto taye bayango. Même les moissonneurs qui sont là ne sachent pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici. Ruth, Luta, n'allez pas dire aux gens ce qui s'est passé cette nuit. Si tu vas aller dévoiler aux gens que tu as rencontré Boaz, c'est fini. On va te combattre et ce sera terminé. Toi, garde ça. Yo, bomba yango. Et hein, qu'on ne sache pas. Allez-y avec la promesse. Il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Il l'éteint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis elle rentra. Boaz lui-même lui donna 6 mesures. Prends d'abord les 6 attendant la 7e mesure, attendant l'achèvement, attendant la récompense. Reçois d'abord ça. Et à la fin, c'était le mariage entre Boaz et Ruth. Alléluia. Alléluia. Voilà que c'était un secret. Ça s'est passé pendant la nuit. Personne ne le savait. Nous pouvons aller vite avec Esther pour voir qu'est-ce qui est arrivé avec maman Esther. C'est mystère tout au travers de la Bible. Pourquoi il faut un secret? Il faut que la chose soit gardée secrète pendant un temps. Hein, vous pouvez lire dans Esther au chapitre 2. Hein, la verset 9. La jeune fille lui plut. Trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi. La plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Et regardez encore cette épouse. Rab, l'épouse. Rab, moi c'est la Rebecca l'épouse. Rebecca moi na libala. Il y avait une partie secrète. Azala ki netene akobomba. Il y avait une partie secrète. Rab azala ki netene akobomba ma. Nous voyons Tamar, une partie secrète. Azali komona Tamar etene akobomba ma. Et c'est là où il y avait le salut. Ne epa ilobi ko azala ki. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance. Esther
Car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Il ne devait pas en parler. Elle était une femme juive. Elle était la tante, elle était la nièce de Mardoché. Et Mardoché était très très combattu par Aman. Il y avait ces gens-là qui le combattaient. Et si Esther pouvait dire, moi je suis la fille de... Elle n'allait jamais parvenir à la royauté. La chose qui l'a amenée à la royauté, c'est ce secret-là qu'elle avait gardé. Elle a gardé ça. Et quand elle est devenue maintenant reine, en chapitre 2, verset 19, la seconde fois qu'on assemble les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple. Car Mardoché lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. La Bible ne dit pas pour rien ici. Frère Branham me dit que vous allez voir Christ dans chaque verset de la Bible. Branham a dit que vous allez voir les mystères, la pensée de Dieu. Ces mystères dans les actes, les types de la Bible. Pourquoi il devait cacher ça? Ni son peuple, ni sa naissance. Parce que le mystère, la gloire était cachée là-dedans. Comme on ne savait pas qui elle était, c'est ce qui l'a amené à devenir maintenant reine. On ne pouvait pas savoir qu'elle était juive. Et le roi était là avec une jeune fille qui est née là-bas, à Babylone ou à Médo-Perse. Elle connaissait la langue, mais sa sémence d'origine, le roi ne connaissait pas. Parce que ça, c'était un mystère. J'ai mis une pierre en toi. J'ai placé en toi un caillou blanc que personne ne connaît, si ce n'est sa personne qui reçoit la pierre. Il n'y avait que Tamar qui connaissait le secret. Elle avait une révélation qu'elle cachait dans son cœur. Et regardez, restez. Elle a gardé ses secrets. Elle a gardé ses mystères. Jusqu'au jour où elle est devenue reine. Et le roi ne savait pas qu'elle était juive. Et c'était au même moment que Aman a commencé à faire la pression. C'est à ce moment-là que Aman a dit au roi, le roi Mardoché, il dédaigna de porter la main sur Mardoché. Il fut rempli de fureur. Il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul. Car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Et il voulut détruire le peuple de Mardoché. Tous les juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assyrie. Alors, dites-moi si il savait que Esther était juive. Alors qu'elle était l'homme du roi. Esther ne serait pas passée comme reine. Ce secret-là, c'est ce qui a amené Esther à devenir reine.
Maintenant, alors, Aman dit au roi Cyrus. Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé. Et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de tous les peuples. Et n'observant point les lois du roi. Les lois de la politique, les lois de ceci, eux, ça ne leur dit rien. Un peuple dispersé est mis à part. Un peuple sanctifié. Mis à part. Ayant des lois différentes. Leurs habits, c'est différent. Bilamba na bango ekese na bato mosusu. Leur loi c'est différent. Mibeko na bango ekese na bato mosusu. Dans leur maison vous trouvez des choses différentes que dans les autres maisons. Na bandako na bango bokokuta biloko ekese na bandako mosusu. Ils vivent différemment. Babikaka na motindo ekese na mosusu. Ils mangent des choses différentes que les autres. Balia kabiloko ekese na bato mosusu. Ils ne boivent pas du vin, ils ne prennent pas de la bière. Bango bamelaka masanga te, bamelaka vino te. Ah, ils prennent, ils mangent des choses sacrées. Parce que les enfants d'Israël, même tous ceux qui ne mangeaient, Dieu avait dit, mangez ceci, ne mange pas ça. J'ai acheté un livre, les 613 commandements que Dieu a donné à Israël. Dieu a dit, mangez ceci. Habillez-vous comme ça. Faites ça, ne faites pas ça. Faites ça. Et regardez, on pouvait aussi les reconnaître facilement. Que eux, ils ne sont pas comme ça. On pouvait bien les reconnaître. Aman, il y a des gens vraiment bizarres. Et vous allez voir dans Ézéchiel. Dieu dit à Israël, comme vous avez voulu être comme toutes les autres nations, c'est fini, je vais vous rejeter. Parce que vous avez oublié votre vocation. Vous avez oublié votre appel. Vous avez oublié pourquoi je vous ai choisi. Je vais vous rejeter. Parce que vous avez voulu être comme toutes les autres nations. Vous devez savoir que vous aussi, vous êtes un peuple mis à part. Un peuple choisi. Un peuple qui a des lois différentes. Les femmes s'habillent différemment. Leurs souliers, c'est différent. Elles ne portent pas de hauts talons. Les hommes sont des hommes corrects. Mibali, basali, mibali ya sembo. On doit vous reconnaître. Basengeli koye babino. On vient dans vos magasins, on doit savoir que ça, ce sont des maisons des branamistes. Bayena ba magasin na bino basengeli koye bete o ezali ya ba branamistes. Pas où on trouve des hauts talons, on trouve des trucs exactement comme les gens du monde. On trouve l'habillement dans les magasins comme des habillements des mondains. On doit reconnaître que ah, ça, c'est le magasin des branamistes. Ça, c'est le magasin de ceux qui croient le message de Branham. À l'école, on voit que non, ça, ce sont des filles qui sont dans le message de Branham. On voit leur chevelure, on voit leur habillement. C'est ça votre force. C'est par là qu'on va vous reconnaître, c'est par là aussi que vous devenez forts. Quand le malheur viendra, parce qu'on t'a pointé, on t'a dit que ah, toi tu es juif, toi tu es branamiste, parce que tu t'habilles comme ça. Et tu diras, Dieu de Branham, Dieu de la Bible, c'est toi qui as voulu que je sois comme ça. Alors toi, défends-moi maintenant. Et Dieu prendra position pour vous.
parce qu'on vous fait du mal à cause de la parole. C'est pourquoi Dieu a soutenu Daniel. Mangeons ceci, mangeons cela. Daniel a dit non. Et quand on voulait lui faire du mal, Dieu de Daniel, le Dieu de la Bible, Daniel a dit: oh Dieu, on me met à mort, on m'envoie dans les lions à cause de ta parole. Toi maintenant, moi j'ai pris position pour toi, toi maintenant prends position pour moi, et Dieu te défendra. Et ce n'est pas en faisant des compromis toutes sortes d'affaires que Dieu va prendre position pour vous. C'est le temps aujourd'hui de montrer les couleurs, de montrer que tu es un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. N'observant point les lois du roi. Bango bato sakamibe kwa mokonzi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Ezali penza li tomba mokonzi tati ka bango na kimia. Ces peuples là on doit les tuer. Bato wana sengali ko boma bango. Et Aman est allé. Pe Aman a kendeki. Avec un décret. Na mikanda komi. Et c'est ce qui va venir bientôt. Yango ne ko esima na mikolo. Ne vous en faites pas. Bomi tungisate. Ça se prépare. Ezali ko bongama. Vous voyez ce qui se passe dans les nations arabes. Ezali ko mona eza osa mamboka ba. On parle de la Méditerranée, les pays arabes. Le monde ne sait pas ce qui se cache derrière. Bientôt, quand le gouvernement, la police va changer dans tous ces pays, vous allez entendre que tous ces pays vont entrer dans l'Union européenne pour réformer les grands empires babyloniens. Le grand empire romain, comme Branham l'a dit, alors Rome aura maintenant toute sa puissance, comme il a récupéré les pays de l'Est. Maintenant il est en train de récupérer toutes ces nations, parce qu'au temps d'Israël, toutes ces nations là appartenaient à l'empire romain. Et c'est ce que ces bouleversements sont en train de se faire. Et après ce sont des décrets. Et il y aura des choses qui vont venir. Vous n'aurez pas le temps de vous cacher. Même si tu fais n'importe quoi, même si tu vas prendre le pantalon, tu dis non, 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 je vais porter le pantalon pour que les gens ne voient que moi je suis dans le message. Même Pierre, quand il s'est caché, il y avait quelqu'un qui lui a dit: mais toi, je te voyais quand tu allais dans cette église là. Vous n'aurez pas le temps de vous cacher. Maintenant je dois me révéler qui je suis, parce que montrer qui je suis, c'est ça ma force, c'est ça ma puissance, qu'on sache que moi je suis un chrétien. Le décret était envoyé pour tuer tous les juifs. Et le roi a signé le décret. Il a signé. C'était parti partout. On devait tuer tous les juifs. On devait les tuer tous. Mais Esther était dans la maison du roi. On ne savait pas qui elle était. Alors maintenant, Mardochée, au chapitre 4. Il va venir au verset 12. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée. Parce que Mardochée a dit: allez dire à Esther que nous sommes en train de mourir. On va nous tuer, nous tous. Nous allons tous périr, parce qu'on a envoyé les lettres partout. Lorsque les paroles d'Esther étaient rapportées à Mardochée, parce que Esther a dit au verset 11, tous les serviteurs du roi
Et les peuples des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort. Qui entre chez le roi, dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie, sauf à qui le roi tend le sceptre. Et moi, je n'ai pas été appelé auprès du roi. Comment je vais entrer? Comment je vais entrer? La menace pesait sur le peuple. On devait les tuer. Et Esther pensait que la bénédiction, c'est s'asseoir dans la chambre du roi, manger la viande, s'habiller en robe. Et elle pensait que c'était ça. Non, la bénédiction, ce n'est pas ça. Dieu ne t'a pas amené là-bas pour manger et boire. Jésus n'est pas venu aujourd'hui juste pour nous donner à manger à boire. Non, ça n'a rien à voir du tout. Même s'il peut vous donner de l'argent n'importe quoi, ce sont des choses secondaires. Aujourd'hui, c'est ma rédemption. Aujourd'hui, c'est mon autorité. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu est en train de faire. Alors qu'elle était là, Mardoché fit répondre à Esther. Tu t'imagines que tu échapperas seul d'entre les Juifs? Parce que tu es dans la maison du roi. Car Nzambi, si tu t'étais maintenant, donc ce n'est plus le moment de te taire. Le silence là doit être rompu maintenant. Le mystère doit maintenant être révélé. Parce que la révélation de ce mystère, c'est le salut de beaucoup de gens. Alléluia. Alléluia. Jean garde le secret pendant tout ce temps. Ok. Mais maintenant que nous arrivons à la fin des temps, maintenant que la bête est en train de se préparer, maintenant que la bête est en train de monter, ce n'est plus le moment de te taire. C'est le moment de rompre le silence. Parce que si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? C'est à cause de ces moments. Dieu savait que un moment comme ça arrivera. Il y aura la pression sur le peuple de Dieu. Et Dieu t'a élevé dans un mystère caché. Tu es arrivé là-bas. Maintenant, ne cache plus le mystère. Il faut que le sceau qui était caché soit maintenant dévoilé. Maintenant, tu dois aller faire connaître au roi que tu es juif. Parce que tu es déjà reine. Qu'est-ce que le roi va faire encore? Il ne fera plus rien. Esther va dire ok, je comprends maintenant que j'ai un but, j'ai une mission à accomplir, que Dieu m'a envoyé sur la terre avec un but, un but qu'il cachait. Moi je ne savais pas pourquoi je suis devenu reine, mais je comprends maintenant que c'est pour un but. Allons maintenant dans la
la prière. Ils sont allés dans la prière pendant 3 jours. Parce que la prière, c'est notre force. Même si l'ennemi prépare un coup, même si Amman prépare de tuer, mais il y a un Dieu qui vit. Il y a un Dieu réel. Et sera dit, oh Dieu, viens m'aider. C'est un mystère qui était caché pendant des années. Ce mystère doit être révélé. Parce que la révélation de ce mystère, c'est le salut de mon peuple. Même si c'est scellé, même si la porte du roi est fermée, moi maintenant je dois entrer. Moi je dois entrer. Elle s'est habillée en reine. Elle a compris qu'elle est une reine. Elle a compris qu'elle est une fille de Dieu. Et par la foi, elle est allée là où il y avait une loi qu'on ne pouvait pas entrer. Mais Dieu dirige les événements du monde. Dieu dirige les circonstances. Alors que Esther entrait par la foi pour aller révéler qui elle est, pour sauver son peuple. Au même moment, le roi aussi sort. Alors ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Même demander quel est le problème. Non, il n'a pas demandé quel est ton problème. Le roi sort déjà avec le sceptre. Il sort avec l'épée du roi. Allez, prends. Voici le sceptre. Voilà l'autorité. Demande ce que tu veux. Même la moitié de mon royaume, je te donnerai. Demande ce que tu veux. Hein? Dans ce mystère, demande ce que tu veux. Même la moitié du royaume, je te le donnerai. Alors, pendant qu'on buvait, le roi dit à Esther, alors Esther dira, oh mon roi, comme tu m'as déjà tendu le sceptre, je détiens déjà l'autorité, l'autorité de la reine. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous dire que s'il n'y avait pas cette épreuve-là, elle serait allée rester pour manger le boukari. Elle n'aurait jamais l'autorité de la reine. Il fallait l'épreuve. Il fallait qu'elle fasse quelque chose pour recevoir l'autorité. L'autorité de la fille de la reine. Et quand elle a reçu l'autorité, alors maintenant le roi dit, demande ce que tu veux. Tu as maintenant le sceptre. Tu as l'épée du roi. Tu as les 3e épaule. Tu es maintenant dans la vision de la tente. Maintenant, pendant qu'ils étaient, ils étaient simplement à deux. Il n'y avait personne d'autre. C'était dans une tente. C'était dans un endroit, il n'y avait pas beaucoup de gens. Recevez les pays. Et quand elle a reçu, elle a reçu l'autorité. Elle a dit, maintenant je vais dévoiler les mystères. Maintenant je suis libre maintenant de dévoiler les secrets. Que Amman vienne. Amman aya. Dans la fête. Qu'il soit là. Et on est allé dire Amman. 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 La reine te demande. Moi, c'est mon conseil. La reine veut que tu sois à la fête. Moi, c'est mon conseil. Amman a dit, oh. Amman a dit, oh. Amman. Amman. Il ne savait pas. Aïe, va quitter. Que Esther était une juive. Était Esther Anzali Moyuda. C'était un mystère qu'il ne savait pas. Et il fallait qu'il ne le sache pas. Mais Esther a quitté Amman à Yeba Angote. Il s'amène là, à tout joyeux. Il dit à sa femme, lisez la Bible. Oh. Esther m'a appelé. Esther a bengi ngai.
à la fête. Na fête. Maintenant que j'ai préparé un coup contre Mardoché, il verra. Il ne sait pas qui je suis. Il ne savait pas qui l'invitait. C'était un mystère. Aujourd'hui, les gens ne savent pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Le septième sont dévoilés, le monde ne sait rien. Mais c'est le moment où l'épouse reçoit l'autorité. C'est votre jour maintenant pour recevoir l'autorité. Alléluia. Alléluia. Dans votre maison, on ne sait pas qui tu es. Mais toi, petit enfant, toi, on se moque de toi, on t'injure. Au travail, on se moque de toi. Mais ils ne savent pas que tu es dans un mystère. Bientôt, le monde saura. Comme Satan qui ne connaissait pas. Il tuait Jésus. Jésus, pas. Pas. Si tu es fils de Dieu, allez faire ceci. Pas. À la croix. Si tu étais fils de Dieu. Oui, il n'y a pas de problème. Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais pas où je vais. Alléluia. Alléluia. C'était un secret. Jésus n'a pas dit je suis le fils de Dieu. Faire trembler la terre. Faire le sens. Non. Il était dans un mystère. Il ne voulait pas dévoiler. Voilà qui il était. Parce que ce secret l'a mené à la victoire. On le tue à la croix. Il meurt. Alors maintenant, sa théophanie, sa divinité va aller maintenant là où s'est caché Satan. Et Satan va voir que le même Dieu, le Dieu du ciel, le créateur de la jeunesse était là devant lui. Oh, comment tu es arrivé ici? Comment tu es entré là-bas? Comment tu es? Mais tu m'as tué à la croix. J'étais dans cette chair là. Oh, comment tu es entré? Allez, viens ici. Au pied, Adam, Adama, tous, Atonioso, sortez Obima, dans un mystère. Si Satan savait que Jésus était Dieu, ça ne pouvait plus être possible. Si les Juifs savaient qu'il était Dieu, ils n'allaient pas les tuer. Ce mystère-là, c'est le mystère de la victoire. Et Esther a invité Aman est venu s'asseoir là. En train de regarder. Maintenant, on va savoir comment. Maintenant, le roi dit Esther, voilà les sceptres encore. Qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux. Même la moitié de mon royaume. Allez, demande. Senga. Alors, Esther. Nabo Esther. Va dire. Akuloba. Si vous lisez au chapitre 5, vous allez voir comment Aman s'est glorifié et tout ça. Quel est ta demande, reine Esther? C'est dans Esther au chapitre 7. Ezaline Esther mokapo ya sambo. Le septième chapitre. Mokapo ya sambo. Que désires-tu? Olingi nini? La reine Esther répondit. Mokontimwa si Esther alobi. Maintenant il va dévoiler les mystères. Sikawa akozi pola libomba. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi. Soki nazungolo na miso na yo o mokonzi. Et si le roi le trouve bon. Pesoki mokonzi esepelisi ye. Accorde-moi la vie. Pesangai bomoi. Voilà ma demande. Tala bosenga nangai. Et sauve mon peuple. Pe bikisa libota nangai. Voilà mon désir. Tala posa nangai. Car nous sommes vendus. Nzambi totekami. Moi
et mon peuple pour être détruit, égorgé et massacré. Mais l'ennemi ne saurait compenser les dommages faits au roi. Sauve mon peuple. Esther dévoile les Esther azipoli libombami. Le mystère. Aman était là. Aman azala kiwana. Azako kam. Mon peuple. Libota nangai. Toi, tu es qui? Yo zali nani. Où est-ce que tu y étais? Ozala kiwapi. Ah! Ah! Le roi Cyrus prit la parole et dit à la reine, qui est-il? Mokonzi Cyrus a suivi le babi na mokonzi, na moisia mokonzi. Nani ango monguna na yo? Où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Elle répondit l'oppresseur. L'ennemi. C'est Aman qui est assis là. C'est méchant. Aman fut saisi de terreur. Aman alengi. C'est ça l'ennemi. C'est toi l'ennemi. Yone monguna. Regardez le dévoilement des mystères, c'était une victoire. Botala, kozipola mema bomba mi ezala ki elonga. La révélation du septième sceau, ce sera la victoire pour l'épouse. Et moni seli elembo ya sambo. E kozale longa pona moi. Alléluia. Alléluia. Ce sera votre victoire. E kozale longa na bino. Ce sera la révélation de votre position. E kozale moni seli. Le monde saura qui vous êtes. Mokili bakoyeba bozali bana. Aman, quand il a entendu ça, il était là. Il pouvait tomber. Cette femme était jouée. Un mystère. Libomba. Et il voulait. Pardon. Esther s'est déplacée un peu vers la chambre. Esther a kenda ki moke na nkuku ya kolala. Aman pour vous suivre. Aman a dit qu'on a limbisa. Le roi dit Mokonzalobi, tu suis même ma femme. Ozali kolanda mwasi na ngai. Tu veux la violer. Olingi koyeba nzoto na ye. Allez, prenez-le. Il est Dieu. Toutes ces choses que vous lisez, c'est le mystère du septième sceau. C'est le mystère de ce que Dieu va faire maintenant. C'est pourquoi il dit que le septième sceau, c'est le troisième épaule. C'est l'autorité de l'épaule. C'est pourquoi Branham a dit attendez un de ces jours. Quand la pression commencera, observez le troisième épaule. Observez l'autorité. Les mondes qui se moquent de vous, ils ne le savent pas. Allez, on prend Aman. Et on lui dit, les gens lui ont dit, il avait placé un bois là-bas pour pendre Mardoché. Allez, prenez-le. Allez le mettre au même bois là-bas. Et on est allé les pendre là-bas. Tous ceux qui nous font du mal. Parce qu'ils ne savent pas qui nous sommes. Ils auront le même jugement. Parce que Jésus, il s'est révélé à nous dans ces derniers jours. Alléluia. Alléluia. Voilà le mystère du septième sceau.
caché dans les types de la Bible. Esther, c'est le type de l'épouse. Et elle est devenue reine dans un mystère. Quand le roi a rejeté Vachi, Branham dit que le roi Branham va rejeter les églises. Il va rejeter les dénominations. Et dans ces derniers jours, il va se choisir une épouse. Et c'était à la septième année que le roi a fait la fête. Aujourd'hui, Esther est entrée dans les mystères que le monde ne savait pas. Aujourd'hui, Christ est descendu dans un mystère que le monde ne sait pas. Nous sommes devenus l'épouse dans un mystère que le monde ne sait pas. Même s'il se moque de nous, mais Dieu bientôt nous donnera la victoire. C'est pourquoi croyez, ayez foi en lui. Que sa venue, ce n'est pas juste pour nous donner des bénédictions matérielles, mais surtout pour avoir l'autorité. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, aide-moi moi aussi. Que j'arrive à comprendre ma place. Je suis devenu, je suis maintenant marié à Christ. Je suis devenu l'épouse de Christ. Seigneur, révèle-moi ma place. Révèle-moi ma position. Montre-moi ce que je dois faire. Il y a beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup de démons. Ils sont dans la rue. Ils sont à l'école. Qui veulent notre destruction. Qui veulent que nous puissions mourir. Il dit, ces gens-là, ils croient les messages de Branham. Nous allons leur faire du mal. Mais notre Dieu, il nous donne l'autorité. Seigneur, révèle-moi ma place. Nous allons nous tenir. Révèle-moi ma position. Et comment vous pouvez lire dans cette Bible? Comme même moment Esther devenait la reine. Au même moment Mardoché. Le type d'Israël était élevé à une position élevée. Ah, c'est ce qui vient maintenant. À ce moment où l'épouse est en train de s'approcher, de s'unir, Dieu aussi est en train d'élever Israël pour devenir une autorité, une puissance. Les cris de mon âme.
soit dans mon cœur. Que la révélation de ce septième saut me soit aussi accordée, Seigneur. Mon frère, il y a beaucoup d'ennemis, il y a beaucoup de combats. Sans Dieu, tu ne pourras rien faire. Le septième saut ramène Jésus à côté de toi. Tu ne sais pas les complots du diable pour te faire du mal au travail, pour te tuer. Il a préparé toutes sortes de choses. Mais Dieu qui a gardé Moïse, Dieu qui a gardé Esther, Dieu qui a gardé David, que le même Dieu te garde et te protège. Par la foi, réclame. Remplis-moi de ton esprit. Que Christ descende dans mon cœur. Révèle-moi ma place, Seigneur. Je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas les combats que je vais livrer. Mais comme Esther dans la prière, moi aussi je viens de la prière. Accorde-moi la grâce. Mets l'épée dans ma main. Étends le sceptre dans ma main. Donne-moi l'autorité. Accorde-moi ta grâce. Prions le Seigneur. Thank you.
Thank you.